Bonjour tout le monde. Alors je vais vous présenter Captivity, qui est un petit logiciel dans le même style que TVO, qui permet de récupérer les émissions de TV Replay, donc de TF1, de France 2, de France 3. Alors il est présenté comme ça sous forme d'archives. Je vous mettrai le lien pour le télécharger à la suite du tuto. Je vais me créer un petit dossier Captivity. Alors je suppose que c'est comme ça qu'on dit, hein. Captivity, voilà. Je vais y mettre l'archive à l'intérieur. Hop. On va extraire l'archive. Bon, très simple d'utilisation. Donc ici, nous avons le lanceur. Voilà, pas besoin d'installer le logiciel. Sur la gauche, les différentes chaînes. Je vais cliquer par exemple sur TF1 et il va récupérer les différentes vidéos disponibles. Voilà, donc télé-shopping. Voilà, vous pouvez sélectionner les émissions par catégorie, hein, magazine, divertissement. Bon, à titre d'exemple, je vais prendre course et paris du jour. Je vais télécharger, je le sélectionne, je clique télécharger ici. Donc j'ai pris ça parce que c'est relativement court. Donc là normalement il va nous proposer de télécharger ça soit en définition standard, soit en HD. Ah, définition, définition standard, je prends définition standard. Il va se rajouter ici dans la liste des téléchargements. Alors vous pouvez faire plusieurs téléchargements successifs, ça pose pas de problème. Hein. Voilà, donc c'est relativement rapide, mais course et paris du jour, c'est une petite émission. Ça doit durer seulement quelques minutes. Voilà, je vais vous montrer que la vidéo se rajoute dans le dossier vidéo qu'il vient de créer. Voilà. Je peux même lancer, cette émission est en cours de téléchargement, je peux déjà lancer le VLC pour la lire. Et alors, normalement, ça devrait démarrer. Voilà. Donc ça, c'est bon, ça marche. Vous avez une petite possibilité de convertir en MKV ou MP4. Vous sélectionnez le téléchargement, clic droit. Convertir au format Matroska, MKV ou au format MPEG-4 pour vos appareils mobiles par exemple. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez sympathique. Ça consomme pas énormément de ressources. C'est simple d'utilisation. Voili voilou.